Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'album que j'ai présenté en atelier. Alors, avec une couverture en bois, une toile Lily Podcol pour la tranche. Et ensuite, au niveau des décos, dans le kit, il y a toutes les découpes noires que vous allez voir. Il y a aussi tous les tampons qui sont déjà imprimés, qu'il n'y a plus qu'à coloriser. Et puis, ces petites étiquettes, c'est aussi imprimé. En fait, vous avez quasiment tout, tout, tout dans le kit. Donc, une première page, là, avec juste une petite déco, parce que je voulais que par transparence, on voit le papier tissé. Donc là, un petit timbre et des tampons. Une première page, ici, comme ceci. Donc, comme d'habitude, hein, c'est très, très simple. Un mélange de papier, de calque. On a deux pages avec pochette, donc celle-ci. Avec un petit tag recto verso. Ensuite, une page comme ça. Donc là, ça, c'est pareil. Cette page-là, avec les ronds, elle est incluse dans le kit. Vous avez les découpes pour réaliser cette page-là, ainsi que les découpes qui vont ici, et puis ces tampons-là. Ici, une page travaillée avec une petite technique sympa que je vous explique aussi dans la vidéo tuto. Parce que du coup, avec ce kit, vous avez un tuto PDF et un tuto vidéo. Ici, des jolies découpes qui sont aussi dans le kit. Cette page-là, on a un calque qui a été embossé à chaud. Donc, embossé en blanc et ensuite colorié avec des crayons aquarellables, comme tous les autres tampons d'ailleurs que vous pouvez voir sur toutes les pages. Là, on a la même petite technique qu'avant. Cette page-là, c'est pareil, vous avez la découpe des fonds de page ainsi que des arbres dans le kit. Vous voyez, c'est toujours très, très simple. Hein. Les photos, des jolies photos. Et puis ensuite, quelques décos, des jolis papiers et le tour est joué. Là, la troisième page avec la même technique. Ici, une nouvelle page, pareil, avec ce fond-là. Avec des carrés cette fois-ci, donc que vous retrouvez aussi dans le kit, les petites découpes ici aussi. Un calque pour voilà, apporter un petit peu de légèreté. Une nouvelle enveloppe cette fois-ci qui s'ouvre vers le haut. Et ma petite technique que j'avais fait il y a très 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 longtemps en atelier. Ça rappellera des souvenirs à certaines anciennes clientes. Ça date de La Rochelle. Mon petit camembert qui tourne et qui laisse apparaître des photos. Donc ça, c'est pareil. Hein, les découpes de la roue, tout est fourni dans le kit. Ici, un calque qui a été embossé à froid avec la plaque Florilège Design. Et une dernière page comme ceci. Donc voilà, donc en plus du kit, il vous faudra juste une plaque à embosser pour faire cette page-là. D'autres plaques à embosser pour la petite technique qu'on retrouve sur certaines pages comme celle-ci. Il vous faudra aussi en plus un tampon pour faire cette page-là. Et puis quelques petits dies. Il y a juste des dies Jinko là. Ça, c'est pas compris dans le kit. Ça, c'est dans... fait dans l'atelier. Donc, il y aura juste voilà, trois dies feuillage à rajouter en supplément. Dans le kit, vous retrouvez aussi les crayons de couleur qui ont été utilisés pour faire tous les coloriages. Donc, crayons de couleur aquarellables. Hein, donc, ils sont tous inclus dans le kit aussi. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. De toute façon, vous retrouverez tout le détail du kit sur la boutique en ligne. Et donc, pour rappel, vous allez avoir un tuto PDF et un tuto vidéo pour les parties montage, explications diverses. Et voilà, merci, bonne journée.